William Henry Harrison est né en 1773 et entame une carrière militaire. Après une première défaite, il est élu et devient le 9e président des États-Unis d'Amérique. Son discours d'investiture sera long et il le prononcera sous une pluie glaçante. Il continuera malgré tout ce discours en plein courant d'air pendant plus d'une heure. Il attrapera ce jour-là un rhume qui deviendra une pneumonie qui l'emportera quelques semaines plus tard. Harrison sera resté président 32 jours, 12 heures et 32 minutes, soit le mandat le plus court de l'histoire américaine.